Wesh. Mais il se passe quoi? C'est une tondeuse! Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing d'un clavier et d'un casque. Je suis actuellement en vacances, franchement, ça se passe plutôt bien, les gars. Je me suis fait beau pour cette vidéo. Enfin, je me suis fait couper les cheveux. J'ai un petit truc à vous annoncer. Je fais des lives sur Minecraft, actuellement sur Twitch, quasiment tous les soirs. Donc, allez me follow sur Twitch. Le lien se trouve dans la description, les gars. C'est une épée dédicacée par Hypierre et Nems, hein, franchement, et deux autres potes. Hypierre et Nems. Donc le lien Twitch se trouve dans la description, mais les gars, aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing d'un colis assez gros. Voilà. Merde, l'adresse, ils vont venir chez moi. Personne ne viendra chez moi. Aujourd'hui le colis est un petit peu gros, mais c'est pas grave, on va s'occuper de ça. Un colis assez gros qui vient d'Amazon. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On est actuellement 124 000 sur la chaîne. N'hésitez pas à tous vous abonner parce que je sais que plein de gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Donc cliquez sur le bouton s'abonner avant d'oublier. Et les abonnés les plus fidèles, vous pouvez motiver les gens pas abonnés dans les commentaires. Et donc les amis, on se retrouve pour faire l'unboxing sur ma chaise comme d'habitude. Donc c'est parti. Hop. Hop là, le couteau ours qui est très important pour moi, non? Non, en fait, je m'en fous. Je vais m'amuser avec celui-ci pour ouvrir le colis, les gars. Donc, c'est parti. Hop, on prend le colis et on le déballe tout simplement dans le plus grand des calmes. Donc, c'est parti. Hop, hop, hop là. C'est parti, on ouvre ça et puis on regarde les produits qu'il y a à l'intérieur. On va se concentrer sur le clavier, même si ils nous ont offert un casque que je vais quand même regarder. On enlève le papier et on a tout simplement le clavier qui est juste ici. Donc, ah, hop. Voici le clavier, les amis. Le clavier qui est sous emballage plastique. Ok, on enlève ça. Et on a le fameux clavier qui est dans un paquet très bien fait. Il est brillant et ça fait ressortir le produit au milieu. C'est vraiment parfait. Il s'ouvre différemment que les autres claviers. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Je crois qu'il faut faire comme ça. C'est bizarre. Attendez, attendez. Ok, bon, ça fait comme une boîte de jeux de société, donc ça va, c'est clean, très original comme ouverture. Et là, on a le clavier qui est vraiment super beau. Honnêtement, il est clean de ouf. On a le fil qui est ici, qui est énorme. Wesh, il est énorme le fil. Au moins, t'es sûr qu'il se cassera pas. Ça sent quand même beaucoup le neuf, hein. On a des petits switches rouges, des switches rouges, ok. J'aime bien, ça peut être sympa, avec une petite molette. Bon, en tout cas, c'est bien emballé. Je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus sur ce clavier, les amis. Mis à part que on va tout simplement passer sur mon bureau pour voir un petit peu tout ce qu'on a reçu et le voir de plus près et tester les couleurs et ensuite le tester en game. Ok, bien heureux les amis, on se retrouve pour décrypter un petit peu le clavier. Donc on va le sortir de son emballage principal avec les deux prises USB. Donc il y a deux prises USB sur ce clavier, je pense, une pour les LED et une pour tout simplement le mécanisme du clavier. Et il y a aussi un super repose-poignet. Ok, ça c'est vraiment lourd, je vais vous expliquer pourquoi. Et on a les petites notices. Après on n'a plus rien. En tout cas, très bel emballage honnêtement. Donc on sort le clavier. On a tout simplement cette petite pochette. Donc qu'est-ce qu'elle contient cette petite pochette? Je parie sur les notices. Donc elle contient les notices, la notice avec quelques autocollants qui sont vraiment ma foi très beaux. Ok, c'est sympa. Ensuite on a un petit autocollant à retirer sur la touche espace. L'autocollant qui nous indique le site pour pouvoir avoir le software du clavier. Donc actuellement sur mon écran j'ai le software, je vais le télécharger. En fait les gars, c'est de la mousse. Quand je vous dis de la mousse, c'est vraiment de la mousse. On sent que c'est de la mousse, c'est trop bien. Et du coup pour le poignet, genre c'est super, vraiment. Voilà, c'est clipsé et au moins on a un repose poignet qui est vraiment super bien. On va maintenant le brancher, on va enlever le fil et puis je vais voir les couleurs un petit peu qu'il y a avec. Mais je pense que le logiciel va nous aider énormément pour les couleurs. Ok, donc on l'a branché, les lumières sont super belles les gars. Il y a trop de merde sur mon setup là. Donc pour le moment c'est comme ça, c'est très très beau je trouve. On a simplement le logiciel. Ok, donc speed animation, je peux augmenter la vitesse d'animation sur le logiciel. Donc ça va super vite. Ah oui, la lumière blanche est super belle. Après, est-ce que les autres couleurs, genre, ah ouais, ok. On peut vraiment choisir tout et n'importe quoi. Et on peut choisir les effets. Donc là, on a pulse, donc ça va juste éclairer, s'éteindre, c'est super cool. Fade, donc en gros dégradé. Réactif, donc là c'est super beau, c'est super cool. On va essayer de taper. C'est vraiment super beau, les couleurs là sont super belles. On peut faire un dégradé. Ah ouais, ok, on peut faire un dégradé comme on veut. Ah ouais, ça rend vraiment bien. Super beau, genre on peut faire ce qu'on veut, c'est super beau. Et j'ai jamais vu ça, honnêtement, j'ai jamais vu ça, c'est super cool. Bon écoutez les gars, on va faire une petite cinématique et puis on se retrouve pour jouer un petit peu afin de le tester et pour que je puisse donner une petite note. Donc c'est parti. Ok, bien on se trouve pour tester tout simplement le clavier les gars. On est sur Minecraft comme vous avez vu. Donc c'est parti, j'ai mis la cam et la caméra sur le clavier pour que vous puissiez bien voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est parti, on va faire un petit 1v1 en bulle UHC. Hop, je fais souvent ça en live. Je tiens à dire que c'est pas une reprise officielle, hein. Je joue juste à Minecraft parce que j'aime bien pour le moment. Donc voilà, c'est parti, on va essayer de niquer le mec. Ok, c'est parti. Je vais pouvoir bien voir le clavier au niveau des switches.
Ok, c'est parti. Ok. Donc première game, première win. En tout cas, le clavier je trouve assez fluide, honnêtement, il n'y a aucun problème particulier. Après c'était que la première game et il faut que je fasse un petit peu plus de switch avec les sauts et tout pour que je puisse voir un petit peu mieux comment fonctionne le clavier et s'il a des facilités ou des difficultés pour faire certaines choses en jeu. Je me suis pas chauffé, hein, c'est mes premières games de la journée. Ok, le mec bug, c'est horrible quand il bug, c'est horrible quand les gens bug. C'est chiant quand les gens bug, mais de toute façon lui il va mourir, c'est sûr. Ok, encore une win. Franchement les gars, et franchement j'ai bien fait de reprendre Minecraft. Hein. Ok, il m'a reconnu. Ok, sympa. Ok, GL, je suis contre un abonné. Allez, c'est parti, on est contre l'abonné. On va voir si nos abonnés ont du talent. Ok, il a 3 cœurs. Un cœur. Oh, il est chaud. Ok, GG. Gros GG à toi. Ah, je vois que ça me duelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me duelle autant? Et plein de gens me reconnaissent là, à cette heure-là. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, les gars, le clavier, il était vraiment bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer en mode, bah, fin de la vidéo. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo, les gars. Donc, on se retrouve en caméra pour donner une petite note sur le clavier et pour finir la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ok, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre en commentaire comme quoi vous avez aimé la vidéo. Et j'en ferai plus souvent parce que je sais que les unboxings ça vous plaît vraiment quand même énormément. Donc pour ce clavier, je mettrai une petite note de franchement 8 et demi. Allez, 8 et demi parce que franchement, il est top. Il a un bon logiciel, un bon repose-poignet, des belles couleurs, des bons switches, un bon rapport qualité-prix, une bonne résistance. On peut le voir avec le fil. Donc honnêtement, les gars, je peux être que satisfait. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, les gars, pour ne rien louper. En tout cas, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch ou sur mes réseaux tels que Instagram et Twitter. Tout se trouve en description. Moi je vous laisse, c'était GX. Merci d'être passé et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.